Bad Trip, la vidéo, c'est beau. Depuis que je suis en Ardèche, je fais beaucoup plus de... Ah, excusez-moi, entrez. Ah, Davy, excuse-moi, mais je sais pas si t'es chez toi, mais en fait, j'ai fait une petite boulette, j'ai égaré ton numéro de téléphone. Ouais, alors... Tu peux me le repasser? Ouais, 06, 06, oui. 06, 06, 06. Ok, cool, merci, bye bye. Salut, yo. Ok, donc, je disais, depuis que je suis en Ardèche, je fais beaucoup plus de sport et... pardon, excusez-moi. Oui, allô? Oui, je suis chez moi. Entrez. Ah, Tévi, salut, ça va? Ça va. J'ai reçu une lettre. J'ai reçu une lettre de la poste. Eh, c'est officiellement la poste qui m'envoie une lettre. Je vous lis cette lettre. Objet de la lettre. Livraison de votre colis. J'ai reçu qu'une lettre. Monsieur, nous avons réceptionné un colis qui vous est destiné et pour lequel nous rencontrons la difficulté de livraison suivante. Deux points. Pas de boîte aux lettres identifiée à votre nom. Quoi ? Pas de boîte aux lettres identifiée à votre nom. Malgré nos recherches, nous ne réussissons pas à vous localiser. Pour cette raison, nous confions cette présente lettre au facteur courrier. Cela vous permettra de nous contacter et de nous indiquer les informations nécessaires à la livraison de votre colis. Mais... What ? Quoi ? Comment ça ? Tu trouves pas ma boîte aux lettres et tu m'envoies une lettre pour me dire que tu trouves pas ma boîte aux lettres ? Comment ? Comment ? La vie est folle ! En plus, a priori, j'ai que 6 jours. Et je sais même pas pourquoi c'est. Correspondant occupé. Pour suivre un colis, dites suivi. Pour toute autre demande, merci de patienter. Pour mieux vous guider, nous avons besoin de quelques précisions. Si vous attendez ou avez reçu un colis, dites destinataire. Destinataire. Saisissez votre code postal. C'est à vous. Un instant. Nous recherchons un conseiller disponible pour vous répondre. Merci de patienter. Afin de maintenir un haut niveau de qualité de service, cet appel est susceptible d'être enregistré. S'il vous plaît. Si vous ne souhaitez pas que cet appel soit enregistré, merci de l'indiquer à votre conseiller. Veuillez patienter. Nous vous mettons en relation avec l'un de nos conseillers. Pour connaître la... Veuillez patienter. Nous vous mettons en relation avec l'un de nos conseillers. Visitez notre site internet colissimo.fr. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres qui me dit que vous ne trouvez pas ma boîte aux lettres. Oui, vous avez le numéro du colis, s'il vous plaît. A priori, c'est le 8L69265959. Alors après, il y a 7, 7, 7, 7 et un 9. Je vais prendre votre nom, votre prénom. Alors, Mourier, M-O-U-R-I-E-R. Oui. Davy, D-A-V-Y. Voilà. Alors, d'accord. V-Y, donc vous êtes le destinataire du courrier, si je comprends bien. Oui. Oui, vous êtes un interphone. Ouais, c'est ça. C'est à quel nom ? Bah, mon nom. Bah, votre nom ? D'accord. Oui. Je comprends pas pourquoi on ne m'a pas trouvé, si vous avez réussi à m'envoyer une lettre. Alors, c'est votre facteur qui vous a remis ce courrier. C'est le facteur qui, en fait, il passe tous les jours, donc il a les passes, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir... et en plus, il a l'habitude, donc il vous connaît. Il n'a pas forcément besoin d'avoir toutes les informations. D'accord. Le livreur, il passe ponctuellement, il n'a pas forcément les codes, il n'a pas forcément toutes les informations, donc il a plus de difficultés. C'est pour ça qu'au parfois, on demande l'aide du facteur. D'accord, ok. Et
Donc, vous savez, donc l'interphone a votre nom, la boîte aux lettres également, je suppose. Oui, oui. Oui, est-ce qu'il y a un code pour accéder à l'immeuble là? Non. Non? D'accord. Wow, je ne sais pas pourquoi. Ouais, je trouve ça vraiment bizarre qu'il m'ait pas trouvé, quoi. Mais bon, ouais. Et je sais même pas pourquoi faire. Monsieur ? Oui. Oui, merci d'avoir patienté. Donc, j'ai bien écrit le dossier concernant les informations relatives à votre adresse. Donc, j'ai revalidé ces informations auprès de l'agence. Ouais. Dès réception du dossier, ils ont même fait d'y voir en fait qu'ils puissent reprogrammer une présentation le plus rapidement possible. D'accord. Bon. Merci à patienter. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, ça va, très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre appel. C'est une bonne journée, monsieur. Au revoir. Au revoir. Et cet appel est enregistré. Allô? Yo? Salut. Ça va? Ouais, je t'appelais parce que j'ai perdu ton numéro de téléphone. Tu peux me le redonner, s'il te plaît? Attends, je prends de quoi noter. Merci. Hey! Et si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu m'aimes. Même cliquer plusieurs fois. Oh. 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 Oh, mais t'es une fille. Ah non. Pourtant, que la montagne est belle,